Lors d'un lustrage à sec, la surface du revêtement est lissée et rénovée à l'aide d'un disque de nettoyage approprié. Les revêtements de sol retrouvent ainsi leur aspect d'origine, ainsi que leur éclat et leur facilité d'entretien. Il existe plusieurs types de tampons de nettoyage et de brosses disponibles à cet usage. Un test pratique va nous permettre de mieux comprendre les qualités du lustrage à sec. Vous voyez ici un échantillon de revêtement de sol Tarkett sommaire renforcé au polyuréthane. Soumettons-le maintenant à une forte abrasion en son milieu pour représenter l'usure des zones de passage soumises à un trafic élevé. Une fois lustré à sec, cet échantillon retrouve bien son aspect d'origine malgré un trafic intense. Cependant, nous n'opérons ce lustrage que sur la moitié de la partie usée afin que vous puissiez voir la différence. Démonstration. Nous déposons un peu de poussière sur la partie usée que nous frottons ensuite vivement. Puis, nous l'essuyons. La partie non lustrée reste terne et sale. Au contraire, comme vous pouvez le voir, la poussière disparaît complètement de la partie lustrée à sec, aussi facilement que sur la partie encore neuve qui n'a pas subi d'abrasion. Sur ce gros plan, vous pouvez voir la différence entre la partie usée et la partie lustrée à sec.